Bonsoir, je m'appelle Sierra Sam. Sierra Sam, donc DJ, depuis combien de temps? Bah, je suis DJ, pas vraiment, je fais plus du live et de la production en fait. Je suis un peu DJ comme ça, je dirais depuis 18, ça fait 18 ans maintenant, presque 20 ans. Et il arrive, pareil, que tu produis de quelques artistes quand même, tu peux nous les citer? Bah, je ne produis pas vraiment des artistes, je fais produire de la musique, mais pas des artistes, non. D'accord. Enfin, j'ai eu un label à un moment, Toys for Boys, avec Marcus Vector, et on a sorti pas mal de gens, genre DC Salas, je crois qu'on a dû faire son premier ou son deuxième EP. Et donc tu viens de Liège à la base et tu es parti à Berlin il y a 9 ans, exact? 7 ans. 7 ans. Et Liège, la Belgique a l'air de te manquer parce que tu reviens souvent au Woods? Non, le Woods, bon, c'est un peu la maison, donc... Voilà, avec Fifi, Karl, toute l'équipe, Franco, Gaël, c'est l'équipe. Et alors c'est quoi ton meilleur souvenir, ton plus gros kiff sur la scène, sur la piste, avec lequel public, etc. Ton plus gros kiff quoi, en tant que DJ? Bah, bon, déjà c'est pas DJ, c'est live. Mais les plus gros de cette année, c'était je dirais Fabrique à Londres, où j'ai fait un live 100% machine, analogique, pas d'ordinateur. Je l'avais juste préparé pendant 2 semaines avant. Donc j'y suis allé sans vraiment répéter et on y va et ça s'est bien passé. Je dirais Panorama Bar évidemment, enfin, là c'est toujours cool. Et dernièrement j'ai joué à Analog Room à Dubaï qui est vraiment incroyable. Est-ce que tu as des gros projets pour 2014? Bah, pas mal, là on va faire une rétrospective de pas mal de mes remixes que j'ai fait, des productions. Ça va sortir sur Best Works Records, label de Daniel Best et André Lodeman. Un nouveau single chez Upon You avec Paul Randolph, qui est chanteur qui bosse entre autres avec Carl Craig, Kevin Sanderson. J'ai un EP sur Relic Tracks, un nouveau Caduceus je pense, j'ai pas mal de gigs. On va faire une tournée avec Pascal Hetzel en mars au Mexique. Je joue pas mal de gigs. Voilà. Ok, et alors qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent là en live pour les inciter à venir nous rejoindre parce qu'il y a du gros son ce soir quand même? Et voilà, il faut venir, le Woods c'est magique et voilà. Allez, il faut venir. Voilà. Merci beaucoup. À toi.
Thank you.
Do
We'll be right back.
terrible, une boîte de malade, que du bon son, et chaque semaine c'est pareil, c'est une putain de boîte en Belgique. Vous êtes tous d'accord ? À conseiller le Wood. C'est le top, vraiment, niveau découverte et ambiance. Elle se... Vous êtes des habitués du Wood, quoi. Vous y venez toutes les semaines. Quoi. N'importe quel pays, vous venez au Wood, vous serez pas déçus. Quoi. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui ne sont pas venus avec nous ce soir au Wood ? Venez, il est plus que temps de s'intéresser comme il faut. Il y a un site, il y a une adresse Facebook. Tapez tout simplement sur Google le Wood par rapport à une simple recherche et vous allez directement comprendre comment il est possible de se motiver ici par rapport à l'ambiance qui règne dans ce club. Vraiment, vraiment bien. Et qu'est-ce que vous pensez du son qu'il y a ici ? Parole d'un DJ, ça. S'il dit que c'est bien, c'est que... Découverte puriste, extraordinaire, non, vraiment, des bons moments. Alors, est-ce que ce soir, c'est une découverte ou vous connaissiez déjà les DJ ? Vous êtes venu un peu pour eux, en fait ? Bien sûr, oui, oui, il y a des noms connus qui viennent ici, bien sûr, ouais. Mais bien sûr, c'est une découverte, oui, oui, ici. Moi, non, j'adore cette boîte, je connais par cœur et c'est terrible. Ouais. Alors, pour vous, une soirée au Wood qui est réussie, c'est quoi ? À tout le monde. Une soirée réussie au Wood, c'est quoi pour vous ? C'est l'opportunité déjà à des DJ qui sont plus rarement bookés ici en Belgique de venir déposer leur cachet et venir proposer leur ambiance à eux. Et je pense qu'avec un patron et un manager artistique comme il y en a ici, fan de découverte, au moins ils laissent la porte ouverte à des très très bonnes choses. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Il y a vraiment un potentiel monstrueux, donc c'est bien. On laisse rentrer des gens de tous styles confondus, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça donne envie en tout cas de venir. Alors, est-ce que vous auriez un message à passer aux gens qui ne sont pas venus avec nous ce soir au Wood ? Écoutez, loupez pas la prochaine parce que franchement, boîte extraordinaire, site extraordinaire, ambiance de folie, public est là. Bah non, on va continuer à aller s'amuser. Hein. Voilà, on s'éclate ici. Don't.
Thank you.